Coucou les copinos! Donc aujourd'hui je commence cette vidéo dans la voiture. Donc cette vidéo c'est une vidéo glow up. Donc c'est une vidéo où est-ce qu'on va glow up ensemble. On va glow up physically and mentally, ce qui est très important. Là en ce moment je suis en chemin pour aller faire mes cheveux. Donc dans le fond j'ai décidé de faire cette vidéo parce que bientôt je m'en vais en voyage. Et je m'en vais en voyage toute seule. Donc autant être bien préparée quoi. Je suis bien avec moi-même genre. Parce que sinon ça part déjà mal. Parce que vu que je suis toute seule là-bas autant être bien. Là, en ce moment, on va à mon premier rendez-vous, qui est mon rendez-vous pour aller faire mes cheveux. Ce soir, pour que j'aille me faire un facial. Et ensuite, le troisième rendez-vous, c'est pour les cheveux. Et le quatrième, c'est pour le massage. Un massage, c'est aussi la méditation, etc. Et tout. Donc, c'est pour vraiment que je sois bien avec moi-même. Donc, c'est ça le plan. Alors, j'ai pas trop le temps de vous montrer, mais ça, c'est le résultat final. Donc, voici mes cheveux après être allée chez la coiffeuse. Je suis très contente, ça va. Comment dire que glow up commence bien. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. J'aime bien. Mes cheveux comme ça. Moi j'aime bien. Étape numéro 1, fini. Feel like falling deeper. Cold and ice, 난 너무 싫어. 기다리기에. Hi, ok, bear with me pour la mauvaise qualité. J'ai pas pris ma caméra parce qu'honnêtement elle est trop bonne qualité et en ce moment mon visage est trop brillant parce que je suis sortie de mon facial et tout. Honnêtement, le facial c'était merveilleux. Je ne pourrais pas vous recommander assez d'aller faire votre facial, surtout aller au manoir si jamais. C'est vraiment, ça coûte un peu cher, mais franchement, c'est dans les prix d'un facial. Et puis honnêtement, ça a fait tellement du bien. Ça m'a juste vraiment relaxé. Et puis ça a remis ma peau bien, bien. Là, comme vous pouvez voir, là, je suis luisante, là. Je suis très hydratée. Donc, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Jour 2, check. Et les deux étapes, check, facial et cheveux, c'est fait. Demain, je vais avec Inès faire mes ongles. Je vais aussi faire la masothérapie, slash la méditation, etc. Et tout. C'est ça, je suis bien contente du petit glow-up. Et puis, en amont, ça fait du bien parce que cette semaine, c'était un peu une semaine de folie. Parce que en vrai, c'était juste genre la dernière semaine avant que je m'en aille. Enfin, c'est la dernière semaine avant que je m'en aille. Du coup, j'ai envie de voir tout le monde, tous mes amis, tous mes potes, tous mes collègues de travail, tout le monde. Mais c'est ça, quoi. C'est un peu stressant parce que j'ai pas le temps de voir tout le monde. Et puis, j'ai envie de voir tout le monde. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça. Ça faisait du bien le glow-up. Mentally, physically, ça tombait juste parfaitement bien. Techniquement, le vlog, il s'arrêterait ici. Mais j'ai eu envie de rajouter mes derniers moments à Montréal parce que, en vrai, au moment où je fais le montage de cette vidéo, je suis présentement en quarantaine et je savais que ça allait être potentiellement dur d'être seule et de partir en voyage seule. Mais avoir et regarder ces souvenirs, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Du coup, je sais pas pour vous, mais je suis une personne très casanière et familiale et dans ma vie, mon entourage compte beaucoup pour moi. Et donc, je sais pas, mais mentalement, ce qui m'a aidé à me détacher de Montréal, et le fait de voir mes copains, mes amis et surtout ma famille, de pouvoir profiter de la ville et de faire ce que j'aime faire avec eux. Le fait de pouvoir voir toutes ces personnes importantes pour moi avant de partir loin et très longtemps, ça me fait vraiment du bien. Beaucoup de bien.